Balance le son. Scan d'identification en cours. Bonjour, agent Sterling. Balance le son. Ça a marché. Le sujet semble désorienté. Walter, qu'est-ce que t'as fait? Il y a des pigeons partout et personne ne les remarque. Pour un espion, c'est le camouflage idéal. Désenvolaille-moi immédiatement. Bon, arrête, cocotte, sérieusement. Lens, regarde-moi. Te regarder? Je peux pas ne pas te regarder, Walter. Je vois mes fesses et ton visage en même temps. Vous savez à quoi on reconnaît le plus grand espion du monde? Lens Sterling. Tout le monde connaît son nom. Soyez pas mauvais perdant, vous avez pu rencontrer Lens Sterling. Merci, merci. Retournez travailler, vous en faites beaucoup trop. C'est probablement pas beaucoup trop, mais retournez quand même travailler. Agent Sterling, attendez. Je bosse sur un truc chez moi qui va révolutionner l'espionnage. Définitivement, ça s'appelle la dissimulation biodynamique. Imaginez que j'arrive à vous faire... Attention, roulement de tambour... Disparaître. Pourquoi tu dis ça comme ça? Pour l'effet... Et ce dispositif de dissimulation nouvelle génération, tu l'aurais pas sous la main par hasard? En fait, je l'ai en main. Fais-moi voir. Pas de soucis, je peux vous offrir un verre? J'ai de l'eau, des substituts de Repali. Qui? Voilà, j'ai bu un verre. Ce coupe-fin a un arrière-goût bizarre. Bon alors, ton truc high-tech? Vous l'avez bu. Oh! Qu'est-ce qui arrive à ma main? Ça a marché. Le sujet semble désorienté. Walter, qu'est-ce que t'as fait? Hé, Lens, regardez-moi. Que je te regarde? Je peux pas ne pas te regarder, Walter. Je vois mes fesses et ton visage en même temps. I'm a freak of nature, baby. No ghost. Il y a des pigeons partout et personne ne les remarque. Stop, ma cocotte. Pour un espion, c'est le camouflage idéal. T'as intérêt à me désenvolailler et tout de suite, ça suffit maintenant. Je m'amuse pas, désenvolaille. Oh, je hausse le ton là, je devrais probablement pas hausser le ton. Walter, il faut que tu me désenvolailles. Techniquement, vous vous êtes envolaillé tout seul. Je vais le frapper. Je crois qu'il est temps que je me présente. Lens Sterling. Une toute petite pression de 85 grammes sur le nerf vague et votre copain, il fait un gros dodo. Lens Sterling, un espion légendaire, toujours chic et héroïque. Walter Beckett, diplômé du MIT à 15 ans, travaille au labo des innovations technologiques. Il y a tellement de gadgets que je voudrais tester sur le terrain. Par exemple, le câlin gonflable. C'est un genre de dispositif de protection individuelle que j'ai développé. C'est un gaspillage révoltant de l'argent du contribuable. Voici votre prochain objectif. Aucun de nos agents ne parvient à l'approcher.
boum. J'ai quelque chose qui peut vous aider. La dissimulation biodynamique. Imaginez que j'arrive à vous faire disparaître. Ah, hey, Lens, regardez-moi. Que je te regarde. Je vois mes fesses et ton visage en même temps. C'est tellement cool. Être un pigeon, ça peut faire de vous un espion encore meilleur. Les pigeons sont partout et personne ne les remarque. Il est prouvé que les pigeons peuvent voir au ralenti. Alors ça, c'était Godin. Est-ce que quelqu'un a vu un pigeon? Les pigeons peuvent voler jusqu'à 148 km/h. Ne me jette pas du haut de ce... Il va se débrouiller. Nous y voilà, Kimura. Sterling, tu vas regretter d'être né. Il est temps de faire un gros dodo. Mes mains me manquent. I gotta stay. Nous avons des talents très différents. C'est ce qui fait de nous une super équipe. Walter, tu me sers trop le... Oh! Ce qui se passe dans le sous-marin reste dans le sous-marin. Balance le sang. Je suis le plus grand espion du monde. Et votre copain? Il fait un gros dodo. Imaginez que j'arrive à vous faire disparaître. T'as intérêt à me désenvolailler et tout de suite. Vous êtes envolaillé tout seul. Je vais le frapper. Il y a un type dangereux dans la nature et il faut que quelqu'un l'arrête. Il faut que je l'empêche de faire des victimes. En étant un oiseau. Coup de bol pour vous et je suis votre bras droit. Ça, c'est une mission officielle. Ah, wow. Soyons Arby. Boom. C'est splendide. Nous y voilà, Kimura. Sterling, tu vas regretter d'être né. Il est temps de faire un gros dodo. Mes mains me manquent.